Bonjour, alors ce mois-ci dans e-bike news, je vais vous parler du très discret FLX, d'un nouvel accessoire 100% français pour votre sécurité et celle des autres, le Clear. Kaofen qui sort une amusante petite moto électrique tout-terrain. Je vais également parler de la patinette néon de Hokai. Vous verrez, elle est très belle, très pure. Et pour la première fois dans e-bike news, ça c'est vrai, je présente une gyro-roue et pas des moindres puisque c'est la fameuse S20. L'Américain Marcor qui commercialise un mini-vélo impossible à voler. Et pour finir, je vous présente la gamme des scooters Le Norm, disponible en France. C'est parti, générique! Let's go! We set out to design a stealth electric bike. One so sexy you couldn't tell it's electric. Job well done. You may remember us from our first camp. Et Félix avait déjà sorti un premier vélo électrique, le Babymaker. Et ce fut un gros succès parce que ça a permis à cette jeune entreprise de pouvoir décoller. Ils en ont vendu plusieurs millions de dollars. C'est complètement fou. Là, ils sortent en février le Babymaker Pro qui sera vendu 1700 euros. Ce vélo électrique est particulièrement discret puisque sa batterie est complètement intégrée dans le cadre. Elle fait 36 volts et 7 ampères heure. Non, elle n'est pas amovible. On ne peut pas tout avoir, hein? Mais elle se charge grâce à une prise DIN qui est située au niveau de la colonne de direction. Et ma foi, c'est assez pratique. Son moteur roue arrière Aikema est pratiquement invisible et il développe 60 Nm de couple, ce qui permet déjà de bien grimper. Et heureusement d'ailleurs, puisque c'est un mono-vitesse. Et oui, avec une transmission par courroie, donc carbone guette, qui est sans entretien. Question autonomie, vous pouvez compter sur 25 km réels. Ce n'est pas un 250 watts, c'est un 350 watts. Et oui, car le vélo à la base est prévu pour le marché américain et donc les normes sont différentes. Il peut même rouler jusqu'à 40 km/h. Sur leur site, ils disent même qu'il peut dépasser le 40 km/h. Malgré un cadre en aluminium, son poids dépasse à peine 15 kg. Ce nouveau Babymaker Pro est équipé de freins à disque hydrauliques, double piston, les Magura MT Sport. Il comporte un tableau de bord au guidon avec 5 modes, pourquoi je fais 4? 5 modes d'assistance et puis toutes les informations qu'il vous faut, la vitesse, le niveau de charge batterie, enfin vous connaissez déjà tout ça. D'origine, il n'a pas d'éclairage intégré, donc il est livré avec des éclairages indépendants, vous savez les trucs qu'on recharge sur les batteries et qui sont très puissants, vous connaissez déjà ça. En conclusion, c'est un excellent vélo taf, très discret, avec un prix hyper intéressant. Et j'espère qu'il sera importé en Europe, car visiblement, il recherche un importateur. Sinon, évidemment, vous pouvez le commander sur leur site, mais bon, ça risque, avec les frais d'expédition plus la TVA, ça risque de faire sacrément grimper la facture. Comme d'habitude, je vous mets les liens dans le descriptif de la vidéo. Que certains d'entre vous n'ouvrent même pas, hein, je m'adresse à toi Karim, qui m'a envoyé un email pour me demander le lien du Moonbike, que j'avais parlé de ça dans le dernier e-bike distribution. Oui Karim, je parle de toi. Alors évidemment, je lui ai expliqué comment ça marchait et nous avons bien rigolé ensemble. The Babymaker is more than just a bike, it's a movement. If you want to keep more money in your wallet, have more time for the people you love, and breathe more clean air, then this is the bike for you. The Babymaker is ready for mass production. So reserve yours today and tell your friends, because with your help and our expertise, we're going to build you a bike that will change the way you think about riding forever. Thanks for watching, guys. We'll see ya. Installé à Privas, en Ardèche, Dorian, qui en avait assez de tendre le bras pour tourner, a recherché un accessoire de sécurité qui réunit rétroviseur et clignotant.
Et comme il n'a rien trouvé sur le marché, bah ma foi, il a décidé de fabriquer cet accessoire. Et il a eu raison. Bonjour, je suis Dorian, fondateur de Visaya Bike. Chaque cycliste a déjà pu constater qu'il pouvait être compliqué, parfois même dangereux, de devoir sans cesse se retourner pour voir ce qui se passe derrière soi, et également de devoir lever le bras pour indiquer sa direction. Et c'est encore pire en trottinette. C'est pourquoi chez Visaya Bike, nous développons depuis 2 ans un nouvel accessoire de sécurité qui combine rétroviseur et clignotant. Alors évidemment, ça ne s'est pas fait tout seul. Après environ une 14aine de prototypes, il vient de sortir les modèles définitifs. C'est vraiment tout chaud. Les clear s'adaptent sur tous les guidons, aussi bien ceux des vélos que ceux des patinettes. Et comme vous l'avez compris, ce sont des clignotants et des rétroviseurs incassables à la fois. Comme ils sont situés à l'extrémité du guidon, ils sont particulièrement visibles, ça c'est important pour votre sécurité. Et je sais ce que vous allez me dire, vous allez voir, je vais y venir. Pour mettre en fonction le clignotant, il suffit de l'effleurer avec la main. Celui-ci s'arrêtera automatiquement car il est temporisé. Et si vous appuyez une deuxième fois dessus, il va s'arrêter. Ouais, si au dernier moment vous décidez de plus tourner, clac, et vous allez tomber. Ils ont évidemment une batterie incorporée, il est rechargeable et il a une autonomie de 2 mois. Et le système est complètement sécurisé contre le vol. Les rétroviseurs se replient sur eux-mêmes et puisqu'ils sont en bout de guidon, vous voyez, j'y viens, il est hyper résistant au choc. Et oui, il a pensé à ça aussi, Dorian. N'oublions pas que c'est un utilisateur. Comme le miroir, par exemple, qui est en acrylique, donc il est incassable. D'ailleurs, c'est même pour ça que le clear est entièrement fabriqué en France, car la partie en plastique est moulée par une société du Puy-en-Velay qui maîtrise parfaitement cette matière. Et non, ça ne sera pas du Made in China reconstitué en France, c'est bien du 100% français. Il a lancé une campagne de financement participatif qui a complètement abouti et les premiers modèles viennent d'être démoulés. Mais j'ai une bonne nouvelle, vous pouvez toujours les avoir en précommande pour 95€, la paire, ce qui n'est finalement pas si cher pour un produit 100% français. Ça fait 47,50 le clear. Et si vous laissez passer votre chance, eh ben ma foi, il faudra débourser 120€, ce qui reste malgré tout très raisonnable. Les premières livraisons se feront au mois d'avril. Vous pouvez aller directement sur leur site pour pouvoir les acheter. Ou bien, d'ici quelques temps, vous les aurez également sur e-bike distribution. Voilà, Dorian m'a dit que c'était d'accord. Je vous mets les liens dans le descriptif de la vidéo. Alors, vous savez, c'est quand vous êtes sur YouTube, vous appuyez sur la petite flèche et puis, tac, il y a tout un truc qui se déroule. Et là, à ce moment-là, vous avez le descriptif, vous avez les liens, vous avez également le timecode. Enfin, il y a tout ça. Ouais, pas quand même vous apprendre à utiliser YouTube, non? De plus en plus de petits fabricants se lancent dans l'aventure de petites motos électriques tout-terrain. Kaofen est un fabricant installé en Chine. Et leur idée, c'est de proposer une petite moto qui va s'adapter à chacun de vos besoins. Vous pouvez même l'avoir en motoneige. Vous allez pouvoir l'équiper de différentes puissances de batterie, 3456 Wh, 2304 Wh ou 1728 Wh. Et ça, ça va vous permettre d'avoir une autonomie de 80 à 150 km. Concernant la puissance du moteur, là aussi, c'est variable. Il y a juste un petit peu moins de choix, puisque là, vous avez du 4000 watts nominal, soit 8000 watts en crête, ou 2500 watts en nominal, donc ça va donner 5000 watts en crête. Et à noter que les batteries sont thermorégulées pour avoir un meilleur rendement. Concernant la vitesse sur la route, pas sur la neige, ça sera 85 km/h maximum. Son couple sera de 260 Nm pour une petite moto qui pèse de 75 à 88 kg, suivant la batterie que vous allez mettre à l'intérieur. Alors non, c'est pas une grosse moto,
puisque on va dire que, pour ceux qui se rappellent, c'est l'équivalent d'un 80 cm3. En France, elle sera hélas considérée comme du 125 cm3. Au niveau de la batterie, quelle que soit la capacité, ils vont vous fournir un chargeur qui permettra de la recharger en 2 heures. Et l'originalité de cette moto, c'est qu'elle comporte un cadre en aluminium moulé, c'est-à-dire sans soudure, qui est réputé incassable. Alors, pour le moment, vous ne pouvez pas acheter cette petite moto puisqu'elle est en cours de commercialisation. Mais vous pouvez vous inscrire sur leur newsletter pour être au courant des évolutions et puis de la date de disponibilité. Ils ne font pas de campagne de financement, ils n'en ont pas besoin. En tout cas, c'est un joli projet qui va nous tenir en haleine pendant l'année 2022. Et puis, comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas, vous expliquez comment ça se passe pour les liens maintenant. En début d'année, Okai a sorti sa Néon, une patinette de couleur blanche avec un éclairage interne latéral qui la rend bien visible la nuit. Ce qui est loin d'être inutile, surtout en circulation urbaine. Dotée d'un moteur de 250 watts nominal et 500 watts en crête, il permet de monter une pente à 20% d'après le fabricant. Perso, avec mes 110 kg, je pense que ce sera plutôt 5%. Hein. Sa vitesse de pointe sera sur le plat de 25 km/h et elle promet d'avoir une autonomie de 40 km. Question confort, vous avez le droit à des pneumatiques gonflables et à une suspension totalement invisible. Pour le freinage, c'est un frein à disque mécanique à l'arrière avec un système de couplage sur le moteur avant. Le tableau de bord est incrusté dans la colonne de direction, il est personnalisable et elle est déverrouillable avec votre téléphone portable ou avec une carte. Proposée à 699 US$, elle est disponible sur leur site internet et elle est livrable en France. Par contre, vous aurez de la TVA à régler, ça maintenant vous le savez. Mais Okai ne fait pas que des patinettes, ils font aussi des vélos électriques. Et ils ont présenté au CES de Las Vegas un VTT électrique carbone complètement suspendu. Il est motorisé par un moteur pédalier Bafang qui développe 750 watts et 160 Nm de couple. Alors, ce qui reste encore à vérifier parce qu'en 250 watts, ça m'étonnerait que le couple soit aussi puissant. Parce que là, il dépasse le moteur Valeo. Sincèrement, en 250 watts, je pense que le couple sera bien inférieur. Alimenté par une batterie de 14,7 ampères-heure, ça permettra d'avoir une très bonne autonomie à condition de rester en 250 watts. Concernant sa date de commercialisation et son prix, il faudra attendre les prochains e-bike news car pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'informations sur ce fameux SB20. Et j'ai même pas une vidéo officielle pour vous le montrer. Ça sera une affaire à suivre. Et en tout cas, comme d'habitude, les liens, vous savez où ils se trouvent. Pour ceux qui sont passionnés de gyro-roues, cela ne vous a pas échappé, Kingsong vient de sortir la S20 Aigle. Beaucoup de youtubeurs la présentent en test depuis le mois de février sur leur chaîne. Alors, la S20 est plus rapide et plus puissante que la S18. La S18, c'était la première gyro-roue suspendue de Kingsong qui venait concurrencer la eMotion V11. Et ce fut
un succès grâce à son design beaucoup plus agressif, un système de suspension complètement différent et à des performances très intéressantes en tout-chemin. La S20 Aigle va encore plus loin. 3000 watts de puissance nominale, 7500 watts en crête, 25 km/h en zone publique et 70 km/h sur chemin privé. 126 volts et 2200 watt-heure de capacité batterie. Ce qui permet, d'après le fabricant, d'avoir une autonomie de 200 km en mode éco. Pour ceux qui veulent faire un tour du monde, vous voyez de qui je veux parler, je pense que c'est très intéressant. Le problème avec une grosse batterie, c'est que les temps de charge, ils sont longs. En charge lente de 6 ampères, il va falloir 8 heures pour la charger complètement. Et vous avez la possibilité de la charger en 10 ampères un peu plus rapidement. La S20, comme son nom l'indique quelque part, c'est une roue de 20 pouces. Et autre nouveauté par rapport à la S18, c'est ses platines qui sont ajourées avec un grip beaucoup plus important et une taille également plus grande, ce qui va parfaitement me convenir. Ils ont même pensé à l'équiper d'un système de béquilles appelé Quick Stand, c'est-à-dire parking rapide, qui est intégré à la roue, c'est-à-dire qu'il suffit simplement de la poser en arrière et elle tient toute seule, en position verticale. Ils ont poussé beaucoup plus loin les détails de finition, puisque l'éclairage avant est réglable et en plus il s'incline automatiquement suivant la position de la roue. L'éclairage arrière, lui, reste fixe. La suspension a été modifiée, maintenant elle a 130 mm de dépassement et évidemment elle a un look beaucoup plus agressif. Très sincèrement, en rouge Ferrari, ça pète un max. Bref, un joli joujou pour les fans de Giroroux, mais attention, tout ça, ça a un prix car il va falloir débourser 3299 euros. Commencez à mettre des sous de côté ou à revendre votre ancienne roue autre chose, voilà. Elle n'est pas disponible sur mon site, elle n'est pas disponible sur eBike Distribution, car en ce moment, elle est en précommande. Sa livraison est prévue en avril, si tout va bien. Pour faire une précommande, je vous mets les liens du fabricant directement dans le descriptif de la vidéo. Et oui, elle sera sur mon site dès qu'elle sera disponible à la vente. Marcor EV Technologies, qui est une société américaine, vient de commercialiser son M1, un mini vélo pliable qui va donner du fil à retordre au voleur. Alors, déjà, le M1, c'est un mini vélo pliable, ce qui fait que vous pouvez facilement avoir un œil sur lui. En effet, c'est beaucoup plus facile de l'emmener sur votre lieu de travail ou de le monter chez vous. Car un mini vélo pliable, vous n'allez pas le laisser dans votre garage à vélo ou le laisser dehors pour le faire dormir. Du coup, naturellement, je dirais que c'est un vélo qui se vole beaucoup moins. En tout cas, vous limitez les risques. Mais là où les mecs, ils ont fait très fort, c'est qu'ils ont équipé le vélo d'une puce GPS cachée dans le porte-bidon et impossible à retirer. Alors attention, pour pouvoir le localiser, il faudra prendre un abonnement à 39 $ l'an, mais la première année, c'est offert. Et ils sont tellement sûrs de leur système qu'ils vous remboursent le vélo s'il n'est pas retrouvé dans les 30 jours. Par contre, je ne sais pas si cette proposition de remboursement elle est valable pour la France. Le GPS, oui, je sais qu'il fonctionne, mais la proposition de remboursement, faudra peut-être regarder avec eux. Comme tous les mini-vélos de bonne facture, il est léger. Il est doté de roues anti-crevaison de 20 pouces et de jantes rayon 6 branches. Il supporte 120 kg de charge, et ouais, c'est un vélo qui est prévu pour les Américains.
Sa batterie est une 36 volts 10 ampères-heure, ce qui va vous permettre d'avoir une autonomie de 35 à 40 km, car ce n'est pas un contrôleur de 250 watts qui est à l'intérieur, mais un contrôleur de 350 watts. Et oui, c'est aux normes américaines. La batterie va se recharger en 5 heures. Bon, ça c'est du classique. Et son prix est de 1320 euros, hors frais de livraison et hors taxes. Oui, l'expédition en France est possible. Disponible début mai, mi-juin. Mais bon, d'ici là, j'espère qu'il y aura un importateur en Europe. Si vous êtes intéressé et que vous voulez passer la commande en direct, pour les frais d'envoi, vous comptez environ un budget de 400 euros et évidemment plus ou moins 250 euros à régler de TVA. Si cela vous intéresse, et je sais que ça vous intéresse, eh bien comme d'habitude, je vous mets les liens pour aller directement sur le site du fabricant. Lunang est l'un des trois géants chinois du scooter électrique. La marque développe principalement des scooters pour la ville. Tous les scooters possèdent pratiquement la même plateforme électrique. Moteur Bosch, contrôleur Vector FOC, pneumatique tubeless, un mode parking, ça c'est très utile, une alarme intégrée et double batterie, sauf X1 et S4. Une prise USB et Bluetooth pour écouter sa musique, tout en roulant. Les deux batteries permettent d'avoir une meilleure autonomie, sauf le X1, qui en a une seule, mais il a une batterie un petit peu plus grosse. Le moins cher, c'est le S4, qui est proposé à 2149 euros. Il est propulsé par un moteur de 1440 watts et est alimenté par une seule batterie de 48 volts et de 26 ampères-heure. Le S3 est vendu à 2339 euros. Il est motorisé par un moteur de 2050 watts, roule à 45 km/h et embarque deux batteries de 60 volts et de 24 ampères-heure. Elles fonctionnent l'une après l'autre. Si vous préférez, vous pouvez utiliser l'une, recharger l'autre et inversement, ou emmener les deux à la fois lorsque vous voulez avoir beaucoup d'autonomie. Le X1 est proposé à 2589 euros. Motorisé en 2020 watts, roule à 45 km/h lui aussi, mais il ne comporte qu'une seule batterie de 60 volts et de 26 ampères-heure. Le S5 vendu à 2839 euros, motorisé par un moteur de 3000 watts, roule à 45 km/h et embarque deux batteries de 60 volts et de 24 ampères-heure. Le S5 livraison, Delivered, vendu à 3189 euros. Alors ça ne change pas, il est toujours en 3000 watts, il roule toujours à 45 km/h, il a toujours deux batteries de 60 volts et de 24 ampères-heure. La différence, c'est qu'il va avoir un top caisse, enfin une caisse de livraison et un pare-brise. Et pour finir, le S6, qui est le plus cher, puisqu'il fait 4749 euros, mais c'est également le plus rapide, puisque lui peut rouler jusqu'à 70 km/h. Son moteur est également plus puissant, puisqu'il fait 4000 watts, et il a deux batteries qui sont branchées en série, ce qui va donner 60 volts, mais 63 ampères-heure. Il faut savoir que Lunang est présent partout en France, du nord au sud. Ils ont une centaine de revendeurs. Pour trouver celui qui est proche de chez vous, bah ma foi, je vous mets les liens de leur site internet directement dans le descriptif de la vidéo que maintenant Karim s'est parfaitement trouvé. Je sais même pas ce qu'il va me dire par email dès la diffusion de cette vidéo, mais ça sera très rigolo. E-Bike News est terminé. Vous pouvez aller faire du vélo, de la gyro-roue ou de la patinette, comme vous voulez. Et moi, je vous dis au mois prochain. Let's go!